Oh, Zero Base One avec Sweat. Special Summer Video. Ils sont sur une plateforme sur l'eau? Non, ils sont sur un dock. Ouais, non, ils sont sur un dock. Ça aurait été trop camp s'ils nous faisaient une Twice en étant sur l'eau. C'est cool. T'as fou l'effet quoi, genre derrière y a une espèce de pyro et tout en plein jour. Ils auraient peut-être pu le garder pour une scène de nuit, non? Pour que genre ça pète plus en contraste. La chanson est cool, par contre le MV, genre j'aimerais bien qu'il se passe d'autres trucs, genre comme ça. Est-ce que vous savez où ça a été tourné? Les tenues sont ballantes. Genre inspiré par la marine et tout, en long, large, en travers, je trouve que c'est assez stylé. Moi j'aime bien quand les tenues se ressemblent, mais qu'elles sont pas genre toutes les mêmes, vous voyez? Comme si c'était un thème, mais qu'on collait à chaque membre. Du coup, bah, comme chaque membre est différent, chaque tenue est différente, ça j'aime bien. Ouh, ça c'est cool. Par contre, tu vois que la route derrière, elle est pas mouillée. T'as l'impression que c'est de la pluie, mais pas du tout. Ah, c'est une pré-release, bah c'est solide hein, pour une pré-release, je trouve. Ça pourrait largement faire une title, je trouve. Ah, une scène de nuit. J'aime trop quand les gens ils ont genre une couleur claire et que leur sourcil reste foncé. J'aime trop. Par contre, ça fait du bien le fait qu'ils soient en extérieur et tout, franchement. Parce que bon, la K-pop, c'est un peu les rois de la... du clip boîte. Mais bon, là, c'est les titres d'été qui arrivent au fur et à mesure, donc les titres d'été dans des boîtes, ça le fait pas, quoi. La Corée, elle a l'air sympa aussi, hein, y a quelques trucs cool. Ah, en vrai, la chanson était sympa. J'ai bien aimé. J'aime bien la typo aussi. Très 60s. Wake One aussi, forcément. J'avais oublié que c'était Wake One. Mais bien sûr, vu que c'est Boys Planet. Je suis bête. Ok. Pour Zero Base One avec Sweat, ce sera un 16. J'ai mis 4 pour la chanson. Et tout le reste, c'est 3. Donc la chanson est vraiment bien. Et le reste, c'est genre juste au milieu. C'est pas nul. C'est pas incroyable non plus. C'est genre, ça fait le taf. Et pour une pré-release, je trouve que c'est une pré-release plutôt solide. Parce que... il se passait quand même suffisamment de trucs pour que c'est pas l'air si pauvre que ça. Et la chanson, elle est assez solide, ce qui donne l'impression d'être une B-side plus slash une petite title. Mais moi, je trouvais que ça aurait pu largement pu être une title. Ouais, voilà. Ça aurait largement pu être, une title parce que c'était assez solide. Donc, j'ai bien aimé. Je pense que c'est peut-être ma chanson préférée d'eux, mais je dis ça, je me souviens pas des autres. Donc, faudrait que je réécoute un peu leur discographie jusqu'à maintenant. Mais en vrai, une bonne chanson.